Kaaris, il a publié une photo de la sœur de Booba. Voici les questions du journaliste et les réponses de la sœur de Booba. Comment Kaaris l'a réussi à avoir tout ça? Je ne sais pas. Voici ce que Kaaris a écrit en description de cette publication. Wesh le gang gang, c'est Fico, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça va nickel, comme d'habitude, toujours le sourire. Bye mon. Bon, je sais que vous êtes beaucoup à m'avoir demandé mon identifiant PS4. Je l'avais mis dans la description, mais bon, il y en a qui l'ont pas vu, donc je le mets directement en début de vidéo. Pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à m'ajouter. Et bien sûr, j'ai créé une chaîne gaming. Je la mets directement dans la description, dans les commentaires. N'hésitez pas à venir vous abonner. J'envoie un live là tout de suite. Je serai en live sur cette chaîne. Enfin bref, mon iglo, on se retrouve sur ma chaîne gaming et je vous laisse avec l'intro. Peace mon iglo. Ma mère me dit mon fils grandit et fais pas trop confiance aux gens. Tous les jours tu parles beaucoup et je me demande quand est-ce que t'agis. Viens faire un tour à la perme, y'a le pollen qui te fait voyager. On t'a juste dit ça vient d'où mon frérot, pourquoi tu t'agis en cas d'embrouille. Y'a mes potes où y'a le feu dans le sac de foot. Tous les jours en bas de chez moi, ils s'en passent des histoires de fous. J'aime les défis, je pleure les défunts, je rigole quand tu me dis mes défauts. Ça défouraille vers chez moi car on distingue le vrai du faux, c'est pas facile de s'en sortir. Ah là là mon iglo, comment ça part en couille. Wesh le gang gang, c'est Fico, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel comme d'habitude, toujours sourire. Bah oui mon iglo. Bon là il y a quelques heures je vous envoyais une vidéo de justement de Kaaris qui refusait de signer le contrat parce qu'il pense que Booba il essaye de l'entuber. Alors tu vois là mon iglo, il est 1h du matin, j'ai été voir les stories de Kaaris et Booba. Et bref, dans la story de Booba, Booba il avait mis un petit screen du contrat où il a bien entouré en rouge qui aurait bien 50-50 pour Kaaris et Booba et ainsi que les organisateurs. Vu que Kaaris il disait que Booba il essayait de l'entuber. Puis de là c'est complètement parti en couille. Kaaris il a publié une photo de la sœur de Booba. En gros elle expliquait le vécu de son propre frère Booba en gros. Avec en dessous un petit message de Kaaris. J'ai tout pris en screen pour ceux qui n'ont pas Instagram. On passe aux photos, on voit ça juste après. Voici les questions du journaliste et les réponses de la sœur de Booba. Je vous laisse mettre pause si vous n'avez pas le temps de lire. Voici ce que Kaaris a écrit en description de cette publication. Tu as parlé de ma famille venue me voir au tribunal et maintenant c'est Vanessa qui a parlé. Il a balancé son faux contrat aujourd'hui pour masquer la réalité. Et on voit tout, t'es une derche, un menteur et un gosse de riche qui n'a jamais connu la rue. C'est pas moi qui le dis, c'est ma gossure Vanessa, ta sœur. Il y a un nouveau clash qui se prépare, Yafa contre Yafa. On attend l'heure, le lieu, la date, octogone. Il me tue Kaaris. Ah là là mon iglo, là ça commence à être pimenté. Comment Kaaris l'a réussi à avoir tout ça? Je ne sais pas. Pourquoi la sœur de Booba s'en prend à Booba? Je ne sais pas encore. Mais si c'est vrai, franchement c'est chaud. Je vous ai donné mon avis, n'hésitez pas à me donner le vote dans les commentaires. Comme d'habitude mon iglo, je tenais vraiment à vous tenir au courant sur ce qui se passe sur cette affaire. N'hésite pas à lâcher ton plus beau pouce bleu pour soutien, un petit commentaire. Et surtout vérifie que t'es bien abonné à la chaîne et que t'as activé la petite cloche des notifications. En attendant moi je vous dis à ce soir sur ma chaîne Fico Gaming pour un petit live. Puis à demain ou à ce soir pour une nouvelle minute croustillante et une nouvelle vidéo. Et ah oui mon iglo, peace. Juste au passage mon iglo, je fais gagner 5 places pour le combat Booba Kaaris. Pour participer c'est très simple. Alors il suffit juste d'être abonné à mon Instagram, de liker la dernière photo que j'ai mise sur Instagram de Booba et Kaaris, celle-ci justement. Et puis voilà mon iglo, le tirage au sort se fera le 1er février 2019. Les places seront en vente le 27 février et le combat aura lieu le 20 avril. Mais bon, si vous suivez mes vidéos, ça vous êtes déjà au courant. Enfin bref mon iglo, bonne chance à tous les participants. Si t'as pas Instagram mon iglo, je suis désolé, je peux pas faire autrement. J'essaierai d'organiser d'autres concours, que ce soit sur YouTube, Twitter, Facebook, etc. Mais là pour l'instant, ce concours se trouve sur Instagram. Tout sera vérifié. Donc avant de commenter la photo, vérifie que t'es bien abonné à mon Instagram. Enfin bref le gang gang, je vous laisse avec la vidéo. Au passage mon iglo, pour ceux que ça intéresse, n'hésite pas à venir t'abonner directement sur mon Instagram. De nombreux concours, cartes cadeaux, etc. à gagner. Bien sûr, que pour les personnes abonnées. Enfin bref, je vous laisse tranquille. Si tu me donnes, on va t'éterrer, sale fils de putain. Pirate le putain. La pilule est tricolore. Et la fif et la puterie. Cocaïne n'est pas inodore. Je crois en Maria mais en Aïssa. Je crois pas en tes minotaures. Je suis pas trop communautaire. Je suis classé comme 700 raptors. Je fais une bulldère, là ça putain. Oui je suis vulgaire, mais je fais pas le corps. Je fais pas de dance en deux balles d'encore. Et t'es par terre, je me démerde, c'est pas.